Alors là, c'est ma cuisine. Alors qu'est-ce qu'on fait dans une cuisine? Eh ben voilà, c'est des femmes qu'on trouvait, c'est pas des hommes qui trouveraient ça. Hein? Et vous voulez ce que je vous dise ce que j'ai fait pour manger? Est-ce que vous voulez savoir ce que j'ai préparé pour aujourd'hui? Oui. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Alors. Alors ça, c'est tous les menus que j'ai préparés depuis 1966, quand je suis arrivé. Je note tout. Dans une bibliothèque, il faut de l'ordre. Hein. Excusez-moi. Peut-être là que je l'ai mis, je ne me souviens plus très bien, en fin de compte. Où est-ce que je l'ai mis? Ah oui, c'est vrai, je n'avais pas encore archivé. Voilà! Voilà mon menu de la journée. Alors, en entrée, livret grillé. Ah oui, livret grillé, c'est vrai. Donc, livret grillé avec carpaccio de Francis Bacon. C'est bon le Francis Bacon. Oh, ça va faire croustille. En plat, d'eau de 20 000 lieues sous les mers, façon Robur le Conquérant. Ça, c'est très léger. Ça vole. Et alors, en dessert, là, je me suis fait un plaisir. Oh, tu me régales. Crème Justine de Sade, fouettée. Bien fouettée. Oh, ça va être délicieux. Oh. Voilà, c'est mon repas du jour. Et vous? Vous mangez quoi? C'est quoi votre plat préféré? Vous n'avez pas de plat préféré? Oh, c'est pas vrai. Vous, madame, c'est quoi votre plat préféré? Des rivières, quoi. Non, un plat. Ah, bon. Un plat. Des noix de Saint-Jacques. Ben voilà. Et vous? Une rougaille de crevettes. Eh ben voilà. Eh ben moi? Moi, le bibliothécaire, moi, je dévore les livres. Oh, bien sûr, j'ai bien essayé le rougail ou les noix de Saint-Jacques, mais la nourriture normale, bio ou pas bio, végétarienne ou non, mais c'est fade, c'est sans goût, c'est pas bon. Alors qu'avec toutes ces langues et toutes ces lettres, mais c'est un magasin de sensations sans fin. Et quand je dis sans fin, ça se voit un peu. Non, vous n'avez jamais faim avec les livres. Vous trouvez toujours de quoi vous rassasier. Pardon, excusez-moi. De l'or, de l'or. Vous n'avez jamais eu cette impression quand vous lisez un livre, un bon livre, l'impression d'avoir fait un bon repas, d'avoir besoin de vous poser, d'avoir besoin de temps pour digérer votre lecture. Oh, d'ailleurs, moi, ces derniers temps, j'ai fait un peu d'excès. Ça fait mal, excusez-moi. Où est-ce que vous avez mis ? Où est-ce que... Ah. Ah oui, c'est vrai. Ah. Oh, ça parle bien ça. Bon, vous voulez ? Nous en va pas, non? Au prix que ça coûte, je vois bien que c'est pas vous qui payez. Pas le salaire de fonctionnaire. Ouais, vous avez une tête à lire, vous. Hein? Allez, prenez la rue. Et arrangez-moi ça, vous. Au bon endroit. Merci.
Vous avez déjà eu une indigestion? Oui. Vous faites quoi quand vous avez une indigestion? Alors, parce que moi, ma dernière indigestion, je m'en souviens. Hein. C'était avec ça. C'est moi, la cuisine est tout ça. Ah, c'est là. Oh là là. Regardez, vous voyez ça? Ah, vous voyez ce petit machin là? Ça paye pas de mine. Hein? Vous voyez? On trouve partout. Mais ça, messieurs, dames, ça, c'est du poison! C'est un collègue qui m'a dit, oh, bah tiens, t'as qu'à prendre ça, ça vaut tous les livres. Or moi, naïf, je connaissais pas. J'ai mouliné. J'en ai mis une petite pincée dans mon plat du jour. Oh là là. Ballonnement. Nausée, diarrhée verbale. C'est trop concentré. Je comprends pas que ce soit en vente libre. Ah non, dangereux. C'est quoi votre menu de livres préféré? Parce que moi, c'est les classiques. Ah, le moelleux de l'italien, le rugueux des langues germaniques. Et puis l'Internet qui m'a amené plein de langues dont j'ignorais tout. C'est le seul intérêt de l'Internet, je vous le dis tout de suite pour moi. Hein. Le piquant du kanji. Le craquant du coréen. Et puis, si vous voulez rajouter des épices, bah, vous avez ce qu'il faut sous la main. Du yi moulu pour l'acidité. Un petit peu de O pour la rondeur, ou alors le M pour la longueur en bouche. Ah non, c'est... Mais tout ça, ça va disparaître. Mais oui, ça va disparaître. À cause de vous là, vous tous, qui ne lisez plus de livres, qui allez sur Internet. Mais s'il n'y a plus de livres... Il n'y a plus de bibliothèque. Et s'il n'y a plus de bibliothèque, où est-ce que je vais aller vivre, moi? Et s'il n'y a plus de livres, qu'est-ce que je vais manger?